Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Poppy Sauve le Monde, qui est très bien. C'est chez Sarbacane et ça coûte 10,90€. Poppy Sauve le Monde, c'est la deuxième aventure de Poppy parce qu'il y a eu déjà Poppy la Tornade avant. Mais t'es pas obligé d'avoir lu Poppy la Tornade parce que moi je l'ai pas lu et ça m'a pas dérangé. Donc c'est une aventure voilà, à part entière, c'est pas la suite. Alors, Poppy, elle a 11 ans. On va parler de sa famille, on va parler de ses amis et surtout on va parler de son pouvoir magique. C'est une petite fille qui a un pouvoir de persuasion, c'est-à-dire que quand elle regarde quelqu'un dans les yeux, elle peut lui faire faire n'importe quoi, en gros. Ce qui est plutôt trop cool, mais ce qui a apparemment été un gros fiasco dans la première aventure. Donc elle est en mode non bah c'est bon, j'y touche plus quoi. Sauf que il va se passer quelque chose qui va lui donner envie de retenter le coup. Il y a une nouvelle qui arrive dans sa classe, qui s'appelle Meg, et qui est d'origine bangladaise, et qui va lui apprendre que dans son pays, les enfants vont pas à l'école, la plupart, mais vont plutôt travailler. Pour faire tes vêtements que t'achètes chez Zara. Oups. Et donc, Poppy est assez choquée hein, de cette information, et donc elle dit « Attends, je vais utiliser mon super pouvoir pour sauver le monde et pour sauver les enfants. » T'as vu? Donc elle va aller, ce petit monsieur étant le président de la République française, elle va aller jusqu'au président de la République pour essayer de lui sortir les doigts un petit peu, hein, quand même. Et bien sûr, ça ne va pas fonctionner. Enfin bref, elle va faire une fugue, il va y avoir des aventures rocambolesques, très rigolotes, très sympas. J'ai oublié de préciser qu'il y avait des petites illustrations. Et j'ouvre une page où il n'y en a pas. Voilà. Donc ça agrémente le récit de manière agréable et très drôle. Et on se marre bien, hein, grosse marade sur Poppy Sauve le Monde. Et en même temps, on aborde des sujets sérieux, quoi. Alors au final, bon, je vous raconte la fin parce que c'est pas vraiment un truc... c'est pas une grosse surprise, on s'y attend un peu dès le départ. Ça va foirer, hein, son histoire de président de la République. Elle va quand même réussir à aller lui parler, mais... rien ne va se passer comme prévu, et donc au final, en rentrant toute penaude chez elle avec ses copines, elles vont créer une asso et faire des actions et monter des projets pour leur cause, quoi, pour lutter contre le travail des enfants. Donc tout ça pour dire, grosso merdo, la morale, c'est que t'as pas besoin d'avoir un super pouvoir pour faire des choses. Quand même plutôt cool. Autre chose que j'ai particulièrement apprécié, c'est le schéma familial de cette petite fille. Donc ses parents sont divorcés. Chez sa mère, c'est très zen, on fait du yoga et tout. Sa mère est avec une femme qui est donc sa maîtresse de petite section. C'est comme ça qu'elles se sont connues. Est-ce que c'est pas cute? Et donc, chez son père, il y a la belle-mère, il y a toute une smala de frères et sœurs. Donc c'est un peu ouh, rien à voir. L'opposé, c'est le bordel et tout. Et il y a aussi la mère de son grand frère, donc une femme qui aurait eu son père avant, qui est là parce qu'elle revient d'un trip humanitaire et donc elle a pas d'appart et donc elle est... bon, bref. Comment te dire que c'est un petit peu hors norme? Et du coup, ça me plaît un peu, tu vois. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais. Donc, cours acheter Poppy Sauve le Monde ou l'emprunter à ta bibliothèque. Et puis, je te fais un bisou.